Il pensait avoir fait le plus dur du chemin. En ce début de printemps, on voyait ça de loin. Il croyait renverser, sans haine, sans violence, un régime en souffrance, d'un revers de la main. Chez vous, chez nous, ils arrivent. Chez vous, chez nous, ils sont à la dérive. Chez vous, chez nous, que peut-on faire pour eux? Tendre la main et se serrer un peu. Et nous étions allés quelques jours en vacances dans ce pays qui danse, qui danse, qui danse, ou plutôt qui dansait. Et nous avions dîné là-haut sur la colline, celle-là qui domine Damas, qui brillait à nos pieds. Chez vous, chez nous, ils arrivent. Chez vous, chez nous, ils sont à la dérive. Chez vous, chez nous, que peut-on faire pour eux? Tendre la main et se serrer un peu. Et l'on nous a guidés dans l'antique Palmyre, qui, je le dis sans rire, était bien abîmée. Mais c'était par le temps et non pas par les hommes. Enfin, quand je dis homme, je le dis en pleurant. Chez vous, chez nous, ils arrivent. Chez vous, chez nous, ils sont à la dérive. Chez vous, chez nous, que peut-on faire pour eux? Tendre la main et se serrer un peu. Si vous croyez vraiment qu'ils trouvent un avantage, sans armes, sans bagages, à quitter leur pays, avec femme et enfant, sur un bateau sans âge, d'échouer sur la plage et d'y mourir aussi. Chez vous, chez nous, ils arrivent. Chez vous, chez nous, ils sont à la dérive. Chez vous, chez nous, que peut-on faire pour eux? Tendre la main ou détourner les yeux.